Non, quand je marchais Castille à Bourges là-bas, on a toujours trouvé vers Châteauneuf. Mes grandes rues. Terrible niveau grosseur, hein. J'ai pu faire la plus grosse devait faire 18 cm, mais bon, au moins je suis pas bredouille sur mes touches parce que j'en ai senti, j'ai dû en tirer 5 ou 6, donc de l'eau, donc c'est sympa. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu ce petit cours d'eau là. Sympa, il y a des petites arrivées d'eau en plus comme ça là, du coup qui alimente cette rivière. Donc j'y reviendrai. Je pense que au leur quand il fera un peu meilleur, ça sera mieux. Petit ruisseau, ce matin j'ai fait chez Auvert. Et puis après ce matin d'ailleurs vers 13h j'ai fait chez Auvert, là où j'en ai sorti le plus. Hein. Au leur j'en ai tiré une. C'était la plus grosse, donc comme quoi ça décide peut-être les plus grosses, c'est ce que je me suis dit. Du coup c'est pour ça que en première partie de pêche j'ai pêché au vert et puis après je me suis mis au leurre. Donc j'ai mis un décontact, ça doit être un D-Insight que j'ai mis. Parce que voilà, un D-Insight 44 que j'ai mis. Voilà. C'est sympa. Je pêche avec ça parce que c'est un peu polyvalent, on peut pêcher dans beaucoup d'eau. Quand il y a du courant, comme c'est plat, et du coup, ouais, ça permet d'en toucher pas mal. Quand il y en a. Bon, ben là on va se faire notre deuxième jour de pêche. Donc hier j'étais sur la rivière, donc c'était un peu pluvieux. J'ai commencé à pêcher au toc.
Et puis j'en ai fait à peu près trois petites. Et après j'ai fait. Je me suis dit bon, pourquoi pas. Après m'être fait contrôler par les gardes, du coup. J'ai dit allez, pourquoi pas essayer le leurre. Et nickel, j'ai pêché au leurre. Et puis j'en ai fait trois aussi. Donc je pense qu'elles étaient actives, mais beaucoup de petites. Alors j'ai fait ouais, la plus grosse devait faire 22 cm, les autres elles faisaient entre 16 et 18, donc beaucoup de petites. Donc c'est dommage, les grosses c'était pas de sortie, je pense qu'il y avait beaucoup trop de courant. Et du coup elles avaient bien mangé parce qu'il avait bien plu, mais pas beaucoup d'eau dans les rivières. Donc ouais, il a plu fortement, mais faudrait que ça continue de pleuvoir doucement parce que les rivières sont pas très hautes. Et ouais, si on attend cet été, il n'y aura plus grand-chose. Donc voilà, ben là on va faire le deuxième jour sur cette même rivière, mais un peu plus bas. Et j'ai dit je vais prendre la chienne avec moi pour essayer. Ça peut être drôle. Donc bon, bah à tout à l'heure. Pas dans l'eau, hein? Non, non, non. Viens derrière moi. Viens là. Chiara, viens. Écoute. Viens là. Derrière. Voilà, tu restes par là. Elle m'a attaqué celle-là, je te le dis que. Putain, une belle fario, hein? Petite fario là. Une petite sauvage surtout. Je vais lui enlever vite. Voilà. Avec les ailes fonçantes. C'est plus facile. Clara, attention. À toi. Putain, celle-là était sympa. Attention, attention, t'es dans les fils. Sors de l'eau. Ouh, une belle petite fario là. Énergie. Ah, putain, je l'ai prise après l'avant du courant là, entre le courant et l'arbre là, donc puis elle l'a bien pris. Hein. Tu reviens? Cara? Viens. Essaye. Essaye de passer comme tu peux. Moi je vais faire pareil. On va essayer de passer comme on peut. Elle est super truite là. Là il y a un beau coup les amis. On va essayer de passer et puis de pêcher comme. Elle aussi, elle a vu le coup là. Putain, là c'est. Ça va être casse-gueule cette affaire. Oui bah toi tu passes forcément. Tu me nargues en plus. Forcément il y a des ronces. Soit on se met avant.